بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 35 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Étudiez la monotonie de la fonction cosinus sur chacun des intervalles suivants. Vous avez la première intervalle 0 pi sur 2, la deuxième moins pi sur 2, 0, puis moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2 pi, puis finalement l'intervalle 4 pi, 9 demi pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Je vais utiliser ici la représentation graphique de la fonction cosinus pour répondre facilement à ces questions. Vous savez que la fonction cosinus, bien sûr, est une fonction périodique, de période 2π. Donc il suffit de tracer la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle 0 pi. Et puisque la fonction cosinus elle est paire, donc il admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, et on trouve l'autre partie moins pi 0. Et finalement, on trouve la courbe représentative de cette fonction cosinus sur l'intervalle moins pi pi. Puis on va translater cette figure le long de l'axe des abscisses pour trouver la courbe représentative de toute la fonction f qui est définie sur R, c'est-à-dire la fonction cosinus qui est définie sur R. Allons-y. Je trace mon repère OIJ. Voilà, ici O, donc je prends cette gradation, ici 1, 2, 3, 4, 6 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici je prends 1. Ici, moins 1. Pi, c'est à peu près 3,14, donc pi se trouve ici. Pi sur 2, à peu près 1,7, c'est ici. Pi sur 2. Ici, moins pi sur 2. Puis ici moins pi. Cosinus de 0 c'est 1. Voici le premier point que je vais choisir pour m'aider à tracer cette courbe. Le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Donc le deuxième point c'est ici. Voilà le premier point, le deuxième point. Cosinus de pi c'est moins 1, donc le troisième point c'est ici. Donc, l'allure de la fonction, qui fait la courbe représentative de la fonction cosinus. À peu près ça. Nous allons jouer le texte. Voilà. Et je continue de cette façon-là. ما قديتهاش مزيان دونك غادي نحاول شويه نقرب من الشكل ديالها المناسب. غادي نقدي بارتي بار بارتي دونك جو كومونس بار سيت بارتي. جيتيليز ماتنو لا سيميتري اكسيال داكس لاكس داكس او جي سيدير لاكس دي زوردوني.
Ben, comme ça, c'est bien. Et je peux continuer, bien sûr, ma fonction de cette façon-là. Ou bien ma courbe représentative de cette façon-là. Pi sur 2, pi, ici, 3pi sur 2. Non. Pi plus pi sur 2, ça donne... Oui, c'est 3pi sur 2. Et ça continue de cette façon-là, ici, et comme ça, ici. Voilà. Je regarde le premier intervalle, 0, pi sur 2. 0, pi sur 2. Vous voyez ici, vous avez ici 0, ici pi sur 2. Vous voyez que la courbe, elle est descendante. Donc, elle est décroissante sur l'intervalle 0, pi sur 2. Pour l'intervalle moins pi sur 2, 0, moins pi sur 2, 0, la courbe représentative de la fonction cosinus, elle est ascendante. Tala. Moins pi sur 2, ta 0. Donc la courbe, tala. Donc il est croissante. Donc il est monotone puisqu'il est décroissante. Il est monotone puisqu'il est croissante. Donc je fais entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il y a moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc il est croissante sur moins pi sur 2, 0. Il est décroissante ici. Donc il n'est pas monotone ici. Et il est ascendante dans une partie, il est descendante dans l'autre. Donc là, il n'est pas monotone. Et là, le premier intervalle, il est monotone. Deuxième intervalle, il est monotone. Troisième intervalle n'est pas monotone. D'après la définition d'une fonction monotone, on dit qu'une fonction est monotone sur un intervalle i s'il est croissante ou décroissante. N'est-ce pas? Donc pour pi sur 2 pi, une pi sur 2, tel pi, regarde ici, la courbe, il est descendante. C'est-à-dire que la fonction, il est décroissante. Il est décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. On a donc le dernier intervalle, les 4 pi, 9 demi pi. À l'intervalle 4 pi, 9 demi pi, on peut l'écrire d'une autre façon. Si vous voulez, je peux écrire ici l'intervalle 4 pi, 9 demi pi est égal aussi à l'intervalle 0 plus 2 fois 2 pi, virgule, 9 demi pi c'est pi sur 2 plus 4 pi. 4 pi c'est 2 fois 2 pi. 2 fois 2 pi. La situation de la courbe représentative de la fonction cosinus sur l'intervalle 4π, 9,5π est la même que celle de la situation de la courbe représentative de la fonction cosinus dans l'intervalle 0π sur 2. On a 0 plus 2 fois 2π, 2π à la période. On a π sur 2 plus 2 fois 2π, 2π à la période. Il y a une translation de la partie min 0 à pi sur 2. On a une translation d'un vecteur de coordonnées 4 pi 0. Il y a l'isaha 2 fois 2 pi. Il y a la fonction entre 0 pi sur 2 et décroissante, alors il le sera aussi dans l'intervalle 4π, 9 demi pi. Donc, dans cet intervalle-là, la fonction cosinus, il est décroissante. Ou khamar smenage. On a imaginé la situation comme il est. La situation de l'intervalle 4π, 9 demi pi, c'est la même que l'intervalle 0π sur 2, avec une translation d'un vecteur de coordonnées 4 pi 0. C'est deux fois la période. Vous voyez? Il y a un décalage. Décalage de juste la période liée de pi. Alors, je vais vous chiffre GeoGebra. Je vais vous dire que la situation claire.
Bon, 9 GeoGebra, déjà que tu as fdx, c'est égal à cosinus x. Je te dis que la partie de l'arsène de Goubila, il y a dit. Il y a dit. L'arsène de Trif Loul, tel est là. Et on a fait le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. On a de l'autre partie. Et dans l'arsène de la mène là. تلنا في الاول عدزناها شويه على اساس ان لا كوب ريبريزونتاتيف دو سيت فونكسيون فوالا il continue son allure jusqu'à l'infini. Regarde ici, j'ai pris le point A de coordonnées 4 pi 0 باش نلقى داك الانترفال اللي تكلمنا عليه الاخرين, et le point B de coordonnées 9 demi pi. Donc انا غادي ندير ليه واحد ديكالاج, vous allez voir, انا غادي نصادفو ديك داك الانترفال اللي تقلبوا عليه. فوالا ها هو الانترفال ديالنا, هو هذا لا بورن انفيريور هي 4 بي, لا بورن سوبيريور هي 9 دمي بي. هو هذا الانترفال 4 بي 9 دمي بي. Voyez que la courbe représentative de la fonction cosinus il est descendante, c'est-à-dire que la fonction cosinus il est décroissante. Il y a la même situation dans l'intervalle 0 pi sur 2. C'est la même situation. Avec un décalage de 4 pi. Avec un décalage de 4 pi. Il y a la situation entre 0 et pi sur 2. Il y a pi sur 2. Chez la fonction, il est décroissante. Puisque la courbe, il est descendante. Mais si la courbe est là, elle a la fonction décroissante. Quand la courbe est là, la fonction, il est croissante. Ça y est, on est d'accord. Donc, je vais écrire ça. D'après la courbe cosinus, du cosinus, on a dans l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction cosinus est décroissante, oui, décroissante sur, ou bien strictement décroissante. Voilà, dans l'intervalle 0, puis sur 2, il est strictement décroissante. Car la courbe est descendante. La courbe nazla. Donc, cosinus est strictement monotone. Est-ce que monotone dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, la fonction cosinus est strictement croissante car la courbe est ascendante. Tala, ascendante. Donc, cosinus est strictement croissante. Monotone, strictement monotone. Parce que je vois la seule lettre. Voilà. Dans l'intervalle, moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2. Je vais écrire d'abord dans l'intervalle moins pi sur 2. Pi sur 2. La fonction cosinus
n'est pas monotone. Car elle est strictement croissante dans moins pi sur 2, 0 et strictement décroissante dans 0 pi sur 2. Maintenant, dans l'intervalle pi sur 2, pi, il est décroissante, puisque la courbe elle est descendante, de moins pi sur 2 à pi. Donc, je vais écrire ça. Dans moins pi sur 2, pi, la fonction cosinus est strictement décroissante. Oui, il est strictement décroissante. Donc, cosinus est strictement monotone. Maintenant, dans l'intervalle 4 pi 9 demi pi, on a la même situation de la courbe que dans l'intervalle 0 pi sur 2. Si vous voulez, car l'intervalle 4 pi 9 demi pi est égal à l'intervalle 0 plus 2 fois 2 pi, pi sur 2, plus 2 fois 2 pi. Donc, la fonction cosinus est strictement monotone dans l'intervalle 4 pi 9 demi pi. C'est-à-dire, il est décroissante dans cet intervalle comme il est décroissante dans l'intervalle 0 pi sur 2 avec une translation tout simplement de la courbe dans cet intervalle par la translation t du vecteur u de coordonnées 4 pi 0. 4 pi 0. 2 fois 2 pi, c'est 4 pi. Et vous savez que la période, c'est 2 pi. Donc, vous aurez la même chose dans l'intervalle que vous avez ici, dont la borne inférieure, c'est 4 pi, la borne supérieure, 9 demi pi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif M2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.